Alain, dans un premier temps donc, tu nous fais une explication rapide sur la variété de légumes secs et surtout de la manière dont on va les cuisiner. Voilà. En fin de compte, le légume sec, il faut respecter certains critères, bien lire les informations qu'on vous donne sur les sachets, oui, qui sont généralement très judicieux, les temps de cuisson, les temps de trempage pour les légumes secs, c'est respecter le fond de cuisson et le temps de cuisson. Donc en règle générale, quelques légumes donc qui passent encore par un trempage, alors, certes, chose qui a disparu un petit peu. Bah pour la lentille principalement, on reste sur aller un petit quart d'heure, 20 minutes de trempage, ouais, juste pour les hydrater un peu. Ouais. Et tous les autres, c'est entre 2h, 2h30 de trempage. Le flageolet, le pois chiche, le haricot blanc, le coco de pain, voilà. La plupart des autres, c'est ce temps-là. Donc on verra ça en détail tout à l'heure. Tout à fait. Par contre, donc, important, les légumes secs se cuisent toujours dans un bouillon. Avec une garniture aromatique bien costaud. Taillé comment alors en brunoise. En petite brunoise, voilà. Donc petit dé. Voilà, et on peut les laisser en plus de ça avec la cuisson après. D'accord. La garniture peut être servie comme légume avec le légume sec. Mouillement, avec de l'eau, avec du fond blanc. Mais avec le bouillon de légumes, carrément. Carrément le bouillon de légumes. Voilà, on a toujours des parures de légumes. On fait un bon bouillon de légumes et on va utiliser cette eau parfumée pour mouiller le légume qui aura sué avec cette garniture aromatique. Pourquoi perdre ces éléments-là alors qu'on les a en main? Les chefs, à vos fourneaux. Tout à fait. On se retrouve pour vous expliquer maintenant, légumes par légumes. À très vite.